Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi, dernier jour du mois de septembre. Je sais pas quelle heure il est, mais là, tout ce que je sais, c'est que je vais faire des beignets. Là, j'ai ma nièce qui va venir après pour le week-end jusqu'à demain. Et de là, on est samedi. Donc là, demain, du coup, demain, on a prévu d'aller pique-niquer avec ma soeur, mon frère, mamie, tonton. Mon neveu et mes nièces, mamie, tonton, voilà quoi. On va aller pique-niquer, le mec est super beau. Ouais. On a prévu quoi, 28, 29 demain. Et du coup, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Alors qu'on sera le 1er octobre, il fait chaud encore. Ah ouais, il fait chaud. Hein. Ouais. Là, aujourd'hui, il doit faire 25, je crois, 25. Ouais. Demain, 28, 29. Donc voilà, du coup, on va se prendre pour aujourd'hui, samedi et demain, dimanche, sur deux jours. Donc là, Jérémy et Loan sont partis à son match de foot. Avec tonton. Avec tonton Cédric. Mm-hmm. Et ils sont partis où? À Montargis. Ouais. Ouais. Une heure d'ici. Presque. Bon. C'est une heure ou presque? Non, 55 minutes. Bon. Une heure quoi. Ça va. On te voit même pas, ma fille. Attendez. Ah oui, il est vers 10h53. Ouais, il est... Ouais. Du coup, là, on a mangé de bonne heure parce que Loan devait partir. Et je vais en profiter pour faire mes beignets tranquillement le temps que Ewan est en train de dormir parce que quand il sera réveillé, ça sera trop tard. Je vais vous montrer la pâte à beignets que j'ai fait. J'arrive les amis, j'arrive. Tu me poses ou j'arrive? Tu restes comme ça, j'arrive. Ouais, on les fera comme ça. Ah oui, les... Alors, tenue du jour, vas-y, montre. Ok. Les outfits. Petite robe verte. Et moi? Petite robe verte. Combinaison comme ça. Avec des cheveux attachés. Et moi, cheveux détachés. Deux bracelets. Ah, mais ça a bien monté, hein, là. Hein, regarde, la pâte à beignets. Je vais vous montrer ma pâte à beignets. Donc, voilà, c'est bon ça. Les beignets normaux, ils sont trop bons. J'ai fait, voilà. J'ai laissé reposer 2 heures. Un peu plus même. Un peu plus de 2 heures. Pour moi, le truc à glace, là, tu sais, le... Ah oui, là, en plus, elle nous demandait si on avait de la glace, comme ça, prendre comme ça, parce qu'elle a des cornets. Ah ouais? Non, tu fais rien du tout, toi. Mmh. Moi, je vais utiliser ça, après, vous pouvez faire avec les mains, mais je vais utiliser ça pour prendre ma pâte, pour faire des jolies boules. Et en plus, comme il y a Ewan, je n'ai pas trop envie de me mettre la main dans la pâte, quoi. Ouais. Franchement, la pâte, elle est pas mal. Ah ouais. Mmh. Vous voyez comment elle est trop belle, ma pâte à béni, là. On va voir, je vais voir. Peut-être qu'au début, je vais faire avec les mains et puis après, je vais voir si lui il est assez chaud ou pas. Alors. Faites des beignets chez vous, c'est très bon. Ouais. Oui, mais il faut pas faire ça. Moi, je ne vais pas faire ça tout le temps. Vous aimez trop ça. Non, et ça fait prendre du poids, ça. Faut pas faire ça. Et là, je fais vraiment parce que demain, on va se retrouver tous ensemble avec la famille et tout. Mais sinon, je ne vais pas vous faire ça tous les jours. Hein. Bah oui. Il en est hors de question. Mais après, ça sent. Ça sent et c'est du gras. Hein. Ouais. Mais c'est bon, faites ça de temps en temps. Ouais. De temps en temps, ouais. De temps en temps, comme tu dis. Je vais faire commencer à faire ça avec les mains. Et puis si Ewan il se réveille, je continuerai avec... Comme ça, on voit bien. Là, lui, il est bien, c'est bien chaud là ou pas? Je vais vous retourner un petit peu comme ça. Allez. C'est trop bon. Ok, au revoir. C'était pas vraiment chaud, hein, lui, là. Donc, on va attendre encore un petit peu. Que la pâte. Pas trop. Ah ouais, c'est mieux quand c'est pas trop sucré. Ouais. Ouais. Parce que quand c'est sucré, voilà. Ok, c'est parti pour la mayonnaise. Ouais, t'es pas trop... là, c'est bon. Je vais attendre que ça chauffe encore bien, là.
Bon, les amis, j'ai fini. J'ai presque fini. Regardez, j'ai coupé comme ça. Vous allez voir au milieu comment c'est. C'est super bien cuit. En tout cas, il en reste juste un petit peu là. Et après, j'ai fini avec les beignets. Donc voilà, c'est très simple à faire, franchement. Voilà. Hello les amis, on se retrouve beaucoup plus tard en compagnie de ma nièce et des filles. Et bébé Ewan qui est dans sa poussette là. Donc là, on va aller faire un petit tour au parc, juste à pas loin de chez nous. Comme ça, on va prendre l'air un petit peu. Il fait encore bon là, il est pas loin de, pas loin de 18h, je pense, 17h30 à peu près. Marcher un petit peu histoire de prendre l'air. Il fait super beau. Jérémy et Loan sont rentrés, ils sont à la maison avec mon frère. Ils se reposent, ils sont fatigués. Donc voilà les amis. Voilà, voilà. J'ai fait mes beignets là, ils étaient trop bons en plus. Super bon les beignets. Bon, ça sera plus pour demain. Hein. Tu valides mes beignets tout à l'heure? Ouais. Ouais. Je suis top. Mais laisse, lâche-la. Lâche-la. La pauvre. Non, 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 allez, attends. Et je monte. Regardez-moi son petit corps là. Il veut monter lui aussi. Tiens-toi, Ewan. Oui, mais attends, il va aller faire le toboggan. Attends, tiens-le. Hop, attends, attends que je recule. Kenya. Allez, vas-y. Et voilà. Mais. Oui. Et. Ouais, coucou. Tata. T'es bloqué? Oui. Bon, du coup, on a fini au parc, on va rentrer là. Monsieur ne veut plus aller dans la poussette. Bon, allez, tu viens? Allez, viens. Ewan. 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 Non? Viens. Il veut retourner au parc. Allez, viens, bébé. Demain, on va aller au parc. Tu viens? Viens. Allez, viens. Ouais. Coucou les amis. On espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Monsieur, il est déjà bien en forme là. Monsieur Ewan. Là, les enfants sont en train de jouer un petit peu. Jérémy se prépare. Moi, je suis déjà prête. Puis après, on va aller pique-niquer cet après-midi. Bah, comment ça? Comment tu vas faire? J'ai une robe. Oui, bah oui, mais c'est galère. C'est quoi ça? Ah! Ouais, mais toi, tu peux le faire même si t'as la robe, Lily. Ça sert! Ouais. Là, t'es en mode galère, là, du coup. Ah, merci. Ah, c'est bon,
Et du coup, après, ma soeur, il va venir chercher les enfants. Ah bah, et Lenaya va monter avec ma soeur. Parce que sinon, elle n'a pas assez de place dans la voiture, vu qu'il y a Kélia avec nous, ma nièce. Coucou, toi. Allô? Allô? Même pas dit le match d'hier, il a marqué un but. Hein. Oh, mais on a perdu. Ils ont perdu. 4 combien? 4-3. C'est pour ça qu'on a enlevé les valises. Hein? C'est pour ça qu'on a enlevé les valises. Parce qu'il a marqué. Non. Moi je peux dire, j'ai joué avec qui? T'as joué avec contre Montargis. Coucou Kélia! Ouais, j'ai joué contre Montargis. Aïe 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 aïe! Il touche le feu, aïe aïe! Non, mais dépêche-toi! Et elle aime vraiment bien. Allez, Kéké, on commence. Non, Re les amis. Tu veux continuer? Bah vas-y, continue. Hein. Allez. Là on est sur la route pour partir. Bien Mathilde. Pique-niquer. Ouais. Là Lenaya elle est avec Tata Sonia. Ouais, il faut que tu parles plus fort. Ouais, là Tata. Et là mamie elle va partir avec tout Cédric. Ouais. On va tous se rejoindre là-bas. Pique-nique en Famax. Ouais. Mais de toute façon, vous avez déjà vu, hein, on avait déjà été là-bas la dernière fois, vous avez beaucoup aimé. Oui, c'était l'endroit, oui. Ouais. Vous avez beaucoup aimé, donc du coup, on s'est dit, on profite des derniers jours où il va faire beau. Encore la semaine prochaine, il va encore faire beau la semaine prochaine. Donc après, la fraîcheur. Et encore là, c'est pas mal, franchement. Le 1er octobre aujourd'hui, il fait encore beau. Bon, toute la semaine. Allez, il va faire demain, il fait 30 degrés. Demain, il fera 30, ouais. On est encore en été, là. Ouais. Mais c'est pas mal, on va pas se plaindre. Très bien. Ouais. Donc voilà les amis, ça sera, je pense, le dernier pique-nique de l'année, là, je pense. Hein. Possible, par contre, possible. Ouais. Ah, c'est chiant. Et bientôt, à la fin du mois, on change l'heure. Ah non, encore pire. Encore pire. Bah, allez, on va arrêter de se plaindre, on va profiter de cette journée et on vous emmène avec nous, comme ça, vous allez en profiter aussi. On se dit à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Bah, alors toi. Ah ouais, c'est humide, hein. Bon, on est toujours au parc. Là, il doit être pas loin de 17h. Du coup, on va aller faire un petit tour dans les jeux là-bas avant de rentrer à la maison. Allez, viens.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my... Les gars, Ewan! C'est quoi la voiture là? Approche-le plus! C'est un aile! Il a vu juste ça! Allez, viens! Re-coucou les amis, du coup là on vient de rentrer à la maison, on va prendre un peu de tomates. Et regarde les persils là, commencer, on peut prendre là le persil hein. Non Ewan, non. Regardez lui là, il va prendre des tomates. Non. Mais tu manges pas hein, Ewan hein. Regardez, les tomates commencent à pourrir un petit peu là. Bah, en même temps, il fait froid, donc il fait plus beau comme avant là. Donc du coup, les tomates, ils ont un peu, ils font un petit peu la tête quoi. Regarde celui-là là. Mais lui, il arrache lui, hein, Ewan, non ? Bah oui. Bah un petit peu, ils font tous la tête, ouais. Bah ouais. Ewan. C'est la fin des tomates. Hein. Mmh. Tiens, mets-le là dedans. Tout ça c'est mort, hein, c'est fini, regarde, c'est noirci là. Mais même là, hein, regarde ça. Regarde celui-là. Ah oh, non. C'est la fin des tomates, Ewan. On n'a plus que des tomates cerises maintenant. Mais encore un pareil, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pourrir. Ah ouais. Ah papa, faudrait les acheter. Eh, tu manges pas les tomates, Ewan. Ewan, reviens là. Le persil, ça a bien fait du coup. Ouais, je pense qu'on va en prendre. Tiens, comme ça. Ah, si t'as besoin d'en cuisiner, vas-y, laisse. Les amis, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour comme légumes d'hiver là? On aimerait bien planter quelques trucs là pour automne-hiver là. Vous nous conseillez quoi? Pour faire de la bonne soupe. On peut faire quelque chose, on peut. Pour faire de la bonne soupe, tu sais. Bon. Ouais. Potiron, bah, ça se fait ça, Jérémy? Là, il nous reste le poivron si là. Il est encore temps d'en planter, je sais pas du tout. Ouais, il faut qu'on se renseigne hein, pour voir quand même. Pour faire de la bonne soupe cet hiver. Parce que là, j'ai l'impression que les tomates, c'est fini. Donc, les amis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire qu'est-ce qu'on peut planter comme légumes d'hiver là. Sachant que nous, on n'a pas de serre quoi. Ouais, c'est la fin. Regardez le concombre là, il a pourri celui-là, là, qui est juste là. Et là, il y a un autre concombre ici, là. Regardez, il est un peu bizarre celui-là aussi. Tu sais que là, il y a une grosse tomate rouge là-bas. Pour le coup, franchement, là, les amis, c'est quand même triste. Hein. Ça sent la fin. Ça sent la fin de... Ben, on est en automne. On est en automne, ouais. On est en automne. Ça sent le froid qui arrive bientôt la semaine prochaine, là. T'as fini de manger tes tomates, Ewan? Tiens. Ah mais il va pas, hein? Il va pas là-bas. Tu viens me donner à moi? Ewan, tu donnes?
Il va aller marquer le but, Ewan. But, ouais. Bon, les amis, c'est la fin de ce vlog. On espère qu'elle vous plaira. Tout à l'heure, quand on a été au parc, j'ai laissé la fenêtre côté passager ouvert. On s'est fait voler combien 5 euros. Ça va, 5 euros. Ils ont ouvert la portière côté passage, bah, côté Alexia. Et ils ont pris la monnaie qui traînait sur le côté. Ouais. Et surtout, ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'ils ont pris les papiers de la voiture aussi. Ouais. Mais ils les ont posés au pied. Ils ont posé, ouais, après. Ça va, ils n'ont rien touché, il n'y a rien de. Voilà. Mais voilà, faut être prudent, faut pas avoir la tête en ouais, l'air. Ben, ouais, je te jure. D'habitude, on vérifie toujours, mais là, du coup. J'ai vérifié si c'était bien fermé, mais la vitre, on n'avait pas fait gaffe. Non. Donc voilà, on s'est fait. Et en plus, ils ont essayé d'enlever. L'autoradio. L'autoradio, ouais. En fait, ils n'ont pas réussi pour l'autoradio. Donc voilà, les amis, on espère que ce petit vlog. C'est un petit vlog, hein. C'est pas des vlogs à 30 minutes, là. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. 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 Tu dis au revoir? Au revoir. Bye. Ewan, au revoir. Bye. Bye. Oui.